Voyez, vous qui écoutez ce message semant la foi, si vous voulez, chaque fois que je poste une chose, vous recevez un message. Vous pouvez vous inscrire et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et mettre un pouce bleu parce que vous allez devenir une personne privilégiée. Que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas vraiment bon quand une personne ne comprend pas ce que Dieu lui déclare et elle plaisante en racontant des choses comme ça, non. Jésus a une fois à parler aux Juifs. Voyez, vous allez chercher cela et n'allez pas me trouver. Parce que où je vais, vous n'allez pas y aller. Et ils sont restés là, disant la chose suivante, c'est dans Jean 7, 36. Que signifie cette parole qu'il a dite « Vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas. Là où moi je suis, vous ne pouvez pas venir. » Il était en présence de Dieu, mes chers frères. Voyez, nous devons donc rechercher Jésus dans les Écritures, et non pas dans le livre d'histoire, hein, non dans les récits de quelqu'un. Voyez, c'est en méditant la parole que vous allez alors rencontrer Jésus, hein, dans la prédication de la parole, en fait. Hein. Parfois, le prêcheur ne sait même pas pourquoi il a prêché une telle parole. Mais bon, c'est parce que Dieu l'a utilisé pour illuminer alors quelqu'un et le faire rencontrer Jésus. Hein, là où moi je suis, vous ne pouvez pas venir. Donc, allez seulement où Jésus se trouve. Hein, cette personne qui écoute l'Évangile et y croit, elle va être alors bénie au nom du Seigneur, voyez. Regardons cette personne qui a été bénie et je reviens juste après. Missionnaire, j'étais à l'hôpital pendant 2 semaines sans pouvoir marcher, y compris... Le pasteur Ismaël m'a rendu visite. Demain, j'ai une consultation chez le traumatologiste. Mais comme j'ai senti mon pied droit bien mieux, vraiment mieux maintenant, j'ai la certitude qu'au nom de Jésus, demain le médecin va rien trouver. Et maintenant, je suis Alléluia, certain que je suis gloire guéri. À Dieu. À présent, je veux prier avec vous. Maintenant, nous allons parler avec Dieu. Père, au nom de Jésus, je viens te demander alors pour toutes ces personnes, Dieu, oui, elles ont besoin de te rencontrer. Parce qu'en toi se trouve alors la source de la vie. Et en toi est la joie qui est notre force. En toi est le pouvoir qui nous retire des puissances, alors des ténèbres. Ô Père, je viens à présent utiliser cette autorité. Et je réprimande tout ce mal-là et j'ordonne qu'il sorte de là au nom de Jésus. Et Amen.